Cessez cette hypocrisie. Vous êtes toujours là? Pardon, excusez-moi, vous disiez? C'est-à-dire, j'ai reçu une lettre hier et j'ai revu le visage de quelqu'un que je croyais avoir totalement oublié. Mathilde, c'est ça? Oui, mon père. Mathilde? Vous revoilà. Mon père, pourquoi faut-il que l'Église place les époux dans une situation aussi inextricable? Mais il n'y a aucun droit pour la femme dans le mariage. Cessez vos âneries. Ou bien il se couche tout près de moi en faisant les mouvements sur mes fils. Le liquide fructifiant ne doit pas être détourné du vase féminin. Car elle aurait préféré être enceinte sans interruption plutôt que de me voir commettre une telle accumulation de fraude.